Des créatures mystérieuses ailées existent-elles? Comme on a pu en voir à Point Plaisante, avec la fameuse histoire du Mothman, c'est ce que porte à croire l'histoire que je vais vous raconter, qui date de 2010, dans la ville de Santa Maria del Águila, située dans le sud de l'Espagne. Vous allez voir, cette rencontre est assez intéressante et mystérieuse. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. En septembre 2010, Alex Nasirk, un informaticien britannique de 28 ans, se trouvait dans la pittoresque ville de Santa Maria del Águila, nichée au cœur du sud ensoleillé de l'Espagne. Après près d'un an passé dans cette région, captivé par la beauté naturelle qui l'entourait, Alex était bien installé dans son rythme de vie méditerranéen. Comme beaucoup d'habitants de cette région, il était habitué à laisser les fenêtres ouvertes la nuit pour profiter de la brise rafraîchissante. Ce soir-là, alors qu'il dormait paisiblement, un son étrange a rompu le silence de la nuit. Alex a été tiré de son sommeil par un bruit singulier, dont il n'arrivait pas à identifier immédiatement la source. Il décrivit plus tard ce moment comme une sensation d'urgence, un instinct lui soufflant qu'une personne était en détresse, ressentant une profonde empathie pour la souffrance qu'il imaginait. Déterminé à découvrir la vérité derrière ce son mystérieux, Alex s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre pour enquêter. Situé au 4e étage et dernier étage de son immeuble, Alex avait une vue imprenable depuis sa terrasse sur le parking du lotissement, en contrebas. Les lumières du parking éclairaient partiellement la scène, offrant une visibilité limitée, mais suffisante pour discerner des mouvements. Alors qu'il scrutait l'obscurité, une silhouette massive a alors capté son attention, survolant gracieusement le bâtiment d'en face. Pris de stupeur, Alex a senti un frisson lui parcourir l'échine alors que la créature passait juste devant lui. La description de cette créature défiait toute logique conventionnelle. Elle ressemblait à un chien, doté d'ailes, ses pattes antérieures absentes, tandis que ses ailes battaient lourdement dans l'air nocturne. Son observation minutieuse a permis à Alex de décrire avec précision la texture de sa peau, sa couleur rosée et son mouvement presque mécanique. Cette rencontre étrange et inquiétante l'a laissé fasciné et perplexe, remettant en question tout ce qu'il pensait savoir sur le monde qui l'entourait. Alex était en effet quelqu'un de rationnel et de réfléchi. Il n'osait imaginer qu'une telle créature puisse exister. Cette expérience extraordinaire d'Alex Nasirk n'était pas un cas isolé. Des témoignages similaires ont émergé à travers le monde, alimentant les spéculations sur l'existence de créatures volantes, mystérieuses et inexpliquées. On se rappellera par exemple du fameux Mothman qui a terrorisé la ville de Point Plaisante en Virginie-Occidentale dans les années 60. En juillet 2015, deux résidents du Nevada ont affirmé avoir vu une créature ressemblant à un ptérosaure. C'est un reptile volant censé avoir disparu il y a des millions d'années. Et deux semaines plus tard, un homme et sa fille ont rapporté avoir aperçu une créature volante évoquant des reptiles préhistoriques de Jurassic Park.
Il y a de nombreux témoignages sur ce genre de créatures à travers le monde. Les théories sur l'origine de ces créatures fantastiques abondent. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un Howl, une chauve-souris géante bien connue par les amateurs de cryptozoologie. Le Howl est donc un cryptide volant avec des témoignages qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la forme qu'il aurait. Les témoignages en effet le décrivent de trois façons différentes, comme un singe ailé, une chauve-souris de grande taille ou un ptérosaure, ce dont nous parlions juste avant. Le Howl est donc décrit par certains comme un singe gris de la taille d'un nourrisson, aux pieds retournés et avec des yeux noirs immenses provenant de l'île de Java en Indonésie. On parle d'une envergure d'environ 3 mètres, tandis que d'autres l'évaluent à 1 m 70. Le Howl vivrait dans des grottes et chasserait des poissons la nuit. Son nom provient de son cri qui ferait Howl, qui le rend donc très reconnaissable. Ce Howl pourrait être en réalité qu'une chouette leptogramme que les témoins n'auraient pas reconnu. Et le cri de cette chouette sont proches du cri des cris lors de la rencontre avec cette potentielle créature. D'autres affirment qu'il pourrait s'agir d'un congamato africain, une créature semblable à un oiseau. Pareil que pour le Howl, le congamato est une créature supposée. C'est un prétendu volatile semblable à un ptérosaure qui vivrait dans les marais de Jiundu, au nord-ouest de la Zambie. La présence aurait été signalée dans d'autres pays d'Afrique. Il est intéressant que les hypothèses de la rencontre de Alex avec une créature soient des hypothèses également de cryptides, donc d'animaux supposés réels, sans que nous ayons vraiment de preuves. Mais il y a également d'autres personnes qui comparent ces observations à celle des gargouilles des cathédrales. Les gargouilles sont des êtres mythiques censés protéger les lieux saints. Cette diversité de perspectives reflète la complexité et le mystère entourant ces rencontres étranges. Malheureusement, dans toutes ces hypothèses, on n'évoque pas la possibilité que le témoin ait pu rêver, ait pu avoir une méprise avec un autre animal, bien réel celui-là. Et qu'on évoque malheureusement, comme souvent, que la piste mystérieuse et paranormale. Si les témoins de personnes comme Alex Nazir semblent sincères, alors ils soulèvent des questions fondamentales sur la nature de notre réalité. D'où viennent ces créatures volantes? Sont-elles issues d'un coin caché dans notre monde, de la fameuse dimension parallèle qu'on évoquait également avec le Dogman, ou peut-être même de l'imagination humaine? Ces questions reste sans réponse, alimentant ainsi un débat continu sur les mystères inexplicables de notre univers et d'un débat continu entre ceux qui croient fortement et ceux qui doutent de la réalité de toutes ces rencontres et de ces phénomènes. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.